Unité 2. Droits et devoirs. Semaine 3 et 4. À Arbaospéine, via l'évaluation, on va commencer par le lexique. Le lexique. Je m'évalue, idem okawimo nefsi, okawimo dati. Je complète la liste ci-dessous avec les mots suivants selon l'ordre alphabétique. Et donc je complète la liste maintenant. Okmil helhil eha. C'est lié avec les mots suivants. Avec les mots suivants, lequel m'a-t-il indiqué selon l'ordre alphabétique. Hasab tartib l'abjadi. إذن عندي الكلمات هي droit حقوق devoir واجب citoyen مواطن. إذن الكلمة الأولى عندي charte elle commence par c'est. إذن هذه الكلمة كتبدأ بسي. غنشوف هنا الكلمات الأخرى التي تبدأ بسي عندي هي سي citoyen. Donc c'est lequel le harf tani عندها هو ch h qui va i. Donc citoyen, j'écris citoyen. Le كلمه الثالثه عندي déclaration. On joue le كلمه qui juge كلمه droit devoir commence par la lettre d. Donc d حنا كنشوفو د عندي الكلمة الحرف الثاني هو أ وهنا عندي R أ إذا الحرف الثاني A B C D E F E إذا عندي هنا أ ها هو كاينها devoir إذا كنشوف الحرف الثالث هو V إذا عندي هنا C C قبل من V j'écris devoir on va dignité et enfin droit règlement إذن هذا هو الترتيب الأبجدي. دائما في اللكسيك je m'évalue إذن أقوم نفسي. Je classe les groupes de mots suivants dans le tableau ci-dessous. إذن هذا je classe au type هذه الكلمات le groupe de mots هذه مجموعة من الكلمات dans le tableau إذن في هذا الجدول عندي الكلمة الأولى هنا avoir un nom غنشوف avoir un nom est-ce que c'est un droit ou bien c'est un devoir هذا حق أو واجب de avoir un nom إذن يكون عندك اسم هذا c'est un droit j'écris avoir un nom faire ses exercices إذن إنجاز تمارين هذا حق أو واجب donc c'est un devoir j'écris faire ses exercices respecter les autres احترام الآخرين donc c'est un droit ou bien c'est un devoir c'est un devoir oui Être nourri, c'est un devoir ou bien c'est un droit? C'est un droit. Donc j'écris ici être nourri. Respecter la loi. C'est un droit ou bien c'est un devoir? C'est un devoir. Respecter la loi, c'est un devoir. Enfin, être logé. أن يكون لديك السكن c'est un droit et ce n'est pas un devoir c'est un droit toujours dans le lexique je consolide mes acquis je relis chaque mot à la définition qui lui convient Je relis chaque mot. Arbeto kulla kalima.
على ديفينيسيون بالتعريف المناسب لها. devoir واجب. هذا est-ce que une personne qui n'a pas encore atteint 18 ans ou bien une chose qu'on est obligé de faire. Mais une personne qui n'a pas atteint 18 ans إنسان لم يبلغ 18 سنة. Une chose qu'on est obligé de faire. شيء يجب أن نفعله. Oui, c'est une chose qu'on est obligé de faire. Donc, je redis. Et enfin, enfant, c'est une personne qui n'a pas atteint 18 ans. هذا تعريف ديال ميثاق حقوق الإنسان. هو إنسان لم يبلغ 18 سنة. إذن الطفل هو هذا الإنسان. Enfin, dans la production écrite, je m'évalue et je consolide mes acquis. Je complète le règlement de l'école. إذن أكمل قانون المدرسة ci-dessous avec les mots suivants. إذن بهذه الكلمات. conservation, les devoirs, الواجبات, s'exprimer, annuabil, le personnel, شخص, participer, المشاركه. Donc, devoir d'élève, واجبات الاطفال. La première phrase, l'élève doit respecter tout, timide, يجب عليه احترام, tout de l'école. Tout, إذن أكمل بأحد هذه الكلمات. Tout le personnel de l'école. L'élève doit assister à ses cours et y activement. إذن التلميذ يجب عليه أن يحضر دروسه, assister et y activement. Et y participer أن يشارك إيجابياً. L'élève doit effectuer les travaux. L'élève doit effectuer les travaux. يجب على التلميذ أن ينجز الأعمال et demander à la maison. Donc, et les devoirs والواجبات أيضا المطلوبة في المنزل. Quatrième phrase, l'élève doit, التلميذ يجب عليه, dans un langage correct, إذن في لغة واضحة, poli et respectueux, إذن يجب عليه أن يعبر, s'exprimer, أن يعبر في لغة واضحة. Cinquième phrase, l'élève doit participer à la bonne utilisation et à la des biens de l'école. L'élève doit participer, il y a Jibonyusharika, à la bonne utilisation, puis c'est Melji, des biens de l'école. Donc, et à la conservation. على الأدوات المدرسية. Enfin, dans la production écrite toujours, je m'évalue et je consolide mes acquis en trois lignes au moins. في ثلاثة أسطر على الأقل. J'écris un texte informatif. أكتب نص informatif, un texte informatif, un texte qui nous donne des informations sur les droits de l'enfant. Qui est un معلومات حول حقوق الأطفال. إذن غنكتبو النص le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant
a été adopté dans le 20 novembre 1980. هاد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كانت مقتبسة. Elle concerne tous les enfants du monde. هي تهم جميع أطفال العالم. Les pays qui la signent doivent la respecter. الدول التي وقعت عليها يجب عليها احترام هذه الحقوق احترامها. Elle reconnaît à l'enfant des droits spécifiques. هي تعرف الأطفال بحقوق خاصة comme le droit à l'identité مثل الحق في المواطنة l'éducation الحق في التربية أو في التعليم le droit à la santé الحق في العلاج وفي الصحة le droit à la protection الحق في الحماية et le droit à la participation والحق في المشاركة. وأخيرا نأتي إلى نهاية الصفحة 74. شكرا ولا تنسوا الدعم إذا أعجبكم الفيديو والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد.